Je m'appelle Cyril Bruyel, je suis le fondateur de 20 Questions to the World. C'est une quête de compréhension du monde et une tentative de rapprocher les gens. J'ai voyagé moi toute l'année 2017, au cours de laquelle j'ai fait 500 interviews, donc des questions très ouvertes sur l'éducation, le futur, la religion, les peurs, les rêves, à des gens aux nationalités et surtout aux profils sociaux extrêmement variés. De Éric Dupond-Moretti à des nomades en Mongolie, à un dealer de cocaïne dans les favelas de Rio. Des questions aussi ouvertes que quel est votre rêve, de quoi avez-vous peur, fermez les yeux, vous êtes en l'an 2100, qu'est-ce que vous voyez? À une époque où on se focalise beaucoup sur la différence, nous on essaie de se focaliser sur ce qui nous unit. Toutes les réponses qu'on collecte, aujourd'hui près de 30 000, sont référencées par mots-clés dans une base de données. C'est un fichier Excel, hein, juste, mais avec lequel on joue beaucoup. Il est fondamental, c'est ce qui nous permet de faire l'analyse, en fait. Si je devais poser une question à tous les gens qui nous regardent, c'est la question que je préfère poser. Si vous deviez décrire la planète à un extraterrestre, qu'est-ce que vous lui diriez? Je trouve que ça fait prendre du recul, ça fait penser le monde d'une manière ultra globale.